Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Je suis en prison ? Je... non. Enfin, je ne crois pas. Alors où est-ce qu'on est, enfin ? J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, monseigneur. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Bon, bah maintenant, sus, hein. T'es qu'une simple servante, après tout. J'imagine que le procès va avoir lieu, maintenant. Je ne saurais vous répondre. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'il ouvre les yeux. Et... elle est où ? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'il ouvre les yeux. Bon. Ok. Nous voilà donc de retour à Dars. Alors, dans cet épisode, rappelez-vous, j'avais lu énormément de codex. Cette fois-ci, je ne le ferai pas. Alors, on va en revenir donc à certaines choses que j'ai vues dans les commentaires. Donc, on va faire simple au niveau des codex. Attendez, hop. Ouais, donc... ouais, au niveau des codex, donc maintenant, désormais, vous aurez droit à des épisodes spéciaux. Je donnerai une appellation, je sais pas encore trop laquelle, mais ce seront des épisodes un peu hors série, où je lirai essentiellement des codex. Alors, ça pourra m'arriver de lire de temps en temps quand même des codex dans les épisodes normaux, mais quand à chaque fois, en fait, que je ferai une grosse lecture de codex, je ferai un épisode à part. Voilà, c'est grâce à Kamo, Amako, je crois. Amako, je crois que c'est ça. Ça m'avait fait, elle a laissé un commentaire assez constructif et du coup, ça m'a fait réfléchir à certaines choses par rapport à ça. Et j'ai pensé à cette solution. Donc, ce seront des épisodes hors série que vous aurez quand même dans la playlist normale, mais du coup, qui seront totalement qui seront vraiment facultatifs, quoi. Vous saurez, je ferai en sorte, en fait, que vous sachiez que c'est des épisodes spéciaux où je lis des codex. Comme ça, ceux qui s'intéressent au background, vous pourrez aller y jeter un œil. Et les autres, vous pourrez zapper carrément cet épisode. Ça évitera de polluer le let's play, entre guillemets, dans l'épisode 3, j'avais fait presque 40 minutes de lecture, par exemple, dans le let's play original. Et je crois que ça m'est arrivé assez régulièrement dans Dragon Age 2 de lire des codex. Enfin non, c'était quand même mieux organisé. Je faisais souvent ça en fin d'épisode ou en fin de session. Et du coup, ça faisait que j'avais pas tant de codex que ça à lire à la fois. Non, c'était en fin d'épisode que je le faisais souvent. À la fin d'une quête, en fait. Je faisais une quête et je lisais les codex liés à cette quête à la fin de la quête. Et comme je faisais un épisode par quête en général dans Dragon Age 2, bon, dans Inquisition ce sera différent, ce sera pas un épisode par quête, je vous le dis, parce qu'il va y avoir des choses, le jeu va s'organiser très différemment. Alors, il faudrait que, il n'y a pas moyen de tout marquer comme lui par contre. Alors juste, ouais, je vais quand même, alors là par exemple, ouais, je vais quand même faire le... alors ce que je vais faire, ouais, je vous le dis tout de suite, parce que il y en a qui vont peut-être trouver certaines choses bizarres. C'est possible que je vous dise des choses qui ne soient pas tout à fait raccord dans l'épisode hors-série où je vais lire tous ces codex-là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est tout simplement parce que je vais importer en fait tout simplement ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà lu dans la première version du Let's Play. Voilà, je vais importer exactement le passage où je lis tous les codex. Comme ça, ça sera plus simple. Je vais pas m'amuser à tout relire, hein. Je vous rappelle que j'ai fait genre 40 minutes de lecture. Autant me les épargner et pas le relire une deuxième fois, ce serait idiot pour des codex et tout, alors que je peux vous le remettre, ça change rien. Mais du coup, il y a peut-être des petits commentaires que j'ai fait qui seront pas totalement raccord, donc vous inquiétez pas. Donc ce sera exceptionnel, bien sûr, pour cet épisode hors série. Par contre, il y a peut-être certains codex que je vais vous lire, notamment celui de mon personnage principal, Adar, le Vachof.
parce que ça peut être quand même assez intéressant que vous connaissiez un petit peu le background de mon personnage, parce que ça parle de moi quand même. Adar, donc Adar c'est mon nom de famille, je suis Tashodan Adar, Adar avec deux A. Les Kunari de Parvolen vivent selon les principes du Kun, une doctrine à la fois religieuse et philosophique qui dicte chaque aspect de leur société. Les parents de Tashodan Adar quittèrent cette vie de contrainte avant sa naissance, s'installèrent dans les marches libres et choisirent d'élever leur enfant en dehors du Kun. Même lorsqu'ils ont grandi hors de leur société, les Kunari sont toujours craints, évités ou incompris par la plupart des gens du Sud. Les Orlésiens et les Féreldiens moyens les croient incapables de penser par eux-mêmes ou les prennent pour des bandits sournois. Face au regard critique de la société, les Kunari qui ne se soumettent pas aux Kun profitent de leur réputation pour devenir mercenaires. Le jeune Tashodan Adar, lui, rejoignit la compagnie des Valokas, et se forgea en quelques années une réputation de soldat compétent et plein de ressources. Il fut engagé pour assurer la protection du conclave, en tant que partie neutre entre les mages et les Templiers. Suite à l'explosion désastreuse du Saint-Temple cinéraire qui emporta la divine, Adar apparut comme le seul survivant. Certains, qui prétendaient avoir vu la prophétesse Andrasté en personne conduire Adar hors de l'immatériel, commencèrent à raconter que la mystérieuse marque sur sa main était une preuve de la faveur divine. Voilà. Donc, cela vous fait une description de mon personnage. Alors, il faut juste que je marque tout ça comme lu, de manière à ne pas être perturbé lors de ma prochaine lecture. Donc, je fais ça en speed, le plus vite possible. Démon de l'orgueil, ombre, spectre. Voilà, ça c'est très très background, surtout les créatures. Les personnages encore, ça peut être pas mal. Je vous conseille quand même au moins d'écouter les parties personnages. Éventuellement, ouais, les parties groupe, ça peut être intéressant. Là par exemple, vous avez une description des Kunari. L'histoire, alors il y en a des pas mal des fois, ça dépend de quoi. Hein. Mais voilà, ouais, le conclave, bon, ça vous explique ce qu'est exactement le conclave. La magie, alors ça c'est des détails. C'est vraiment très background. Les lieux, parfois, ça peut être intéressant. Dars, donc là, c'est actuellement dans le village où on est. Le Saint-Temple cinéraire redécouvert. Donc là, ça parle vaguement de Mystira quand il a découvert le Saint-Temple cinéraire. Et de ce qui s'est passé après. Et les didacticiels, on n'en a rien à péter. Voilà, comme ça... Tout est marqué comme lu, si je découvre des codex, lors de ma prochaine lecture de codex, je pourrais vous le faire correctement. Alors, il faudrait que j'essaie de faire ça vraiment à des moments particuliers, de manière à pas forcément vous faire des lectures intensives. Le mieux, c'est que je fasse ça en fin de session, des trucs comme ça. Je pense que je vais gérer ça comme ça, de manière à pas trop polluer. Sinon, je sais que de temps en temps, il y aura peut-être certains codex que je serai amené à lire qui sont importants. Bon, ça je vais le lire par exemple, observation d'un patient. Vain espoir que quelqu'un de plus doué que moi prenne la relève avant que le survivant n'expire. Prise de note au cas où. Donc là ça parle de moi. Hein. Jour 1. Moite, respiration superficielle, pouls trop rapide, pas de réaction, pupille dilatée. D'après le mage, sa marque vibre de magie inconnue. Je préférerais qu'on poste un templier devant la porte, on ne sait jamais. Voilà, donc le médecin parle de nous. Cargaison spéciale. Voilà, donc là, ça c'est grâce au fait que j'ai précommandé le jeu en fait. Donc du coup, j'ai droit à une épée à deux mains du dragon. Et tout un bordel, j'ai pas mal de trucs. Pourquoi il n'y a pas de nom sur ces armes là ? Bizarre, un vieux bug encore. En armure, cette armure qui est stylée, l'armure lourde du dragon. Accessoires, amulette de protection vitale plus 50 en soins. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai en fait. Et voilà. Ok, allons-y. Je pense qu'il y a tout. Allez, je sors. Oh. Ah oui, alors dans les tests, j'avais vu que ça frisait un petit peu aussi ici quand il y avait tout ce monde là. C'est normal, hein, vu tout le monde qu'il y a, c'est assez logique que ça bug un peu. Il y a quelque chose ici. Mais ouais, putain, il y a du monde, hein. Bonjour. C'est le messager d'Andrasté. Vous parlez de moi, là ? On dit que quand il est sorti de l'immatériel, Andrasté en personne veillait sur lui. Chut. Ne le dérangeons pas.
Messager d'Andraste, moi ? Non, c'est ridicule. Évidemment, Tashodan... Ouais, donc évidemment, Tashodan n'est même pas croyant du tout. Il ne croit en aucune religion. Hein. Il a abandonné le Kun, c'est pas pour devenir un laquais du créateur, évidemment. Donc, Andraste... Alors qu'on l'appelle le messager d'Andraste, franchement, non, quoi. Là, franchement, non. Le Mabari d'Andraste. Le vieux Mabari d'Andraste n'apparaît pas dans le cantique. Et si vous me demandez aux bonnes sœurs, elles vous diront que c'est des bobards. Qu'Andraste n'a pas eu de clébard. Mais tout Ferelden le sait bien, Notre-Dame avait besoin de quelqu'un la nuit pour lui réchauffer les pieds. C'était un Mabari fétichiste, donc. Et voici le Mabari d'Andraste. Aux côtés de la prophétesse, dans le combat contre Tevinter, le chien restait près de sa maîtresse. Paraît que le créateur l'avait envoyé. Toujours loyal, pas fanfaron, pour être le fidèle compagnon de sa sainte épouse bien-aimée. Oh, ce chien protège Andraste, sans peur et sans orgueil, et ne demande à sa maîtresse qu'une gratouille derrière l'oreille. C'est alors que le vieux Maferat complote, attire le chien pour l'éloigner, mais même lorsqu'il piège la prophétesse, son Mabari s'éloigne jamais. Et voilà le Mabari d'Andraste, aux côtés de la prophétesse. Dans le combat contre Tevinter, le chien restait près de sa maîtresse. Paraît que le créateur l'avait envoyé, toujours loyal, pas fanfaron, pour être le fidèle compagnon de sa sainte épouse bien-aimée. Oh, ils l'ont cru mort de ses blessures, et il boita jusqu'au bûcher. Essarian versa une larme, quand le chien rejoignit sa protégée. Et voici le Mabari, c'est toujours la même chose. Oui, ce Mabari est le compagnon de la sainte épouse du créateur, chant de taverne populaire à Ferelden, quoique historiquement improbable. Ouais. Fermez vos gueules! Des bobards, tout ça! Il a empêché la brèche de s'agrandir. Oui, ça c'est vrai. Je croyais qu'il était censé la refermer complètement. C'est mieux que rien. Un peu plus et les démons auraient eu notre peau. Ouais, il reste bon. Encore beaucoup de failles, de petites fissures dans le ciel. Il va les refermer, le messager d'Andraste. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec le cantique de la lumière qu'on va s'en débarrasser. Mais pourquoi je me ferais chier à fermer ces failles? Je suis pas le messager d'Andraste, putain. Andraste n'existe pas, c'est de la connerie. Vous êtes cons. Tous ici, la bande de cons, là. Regardez-moi ça, la bande de moutons, là. À attendre comme des crétins. Vous êtes tous cons. Ta gueule. Putain. Je peux fouiller là-dedans? Non, je peux pas. Le créateur soit allé. Non, je m'en fous du créateur. Votre créateur hypothétique. Bon. Missive trimestrielle douairière lubrique. Voilà, ça c'est des petites lectures que je ferai quand même, hein, même si techniquement ce sont des codex, ça reste des bouquins qu'on croise, c'est concret. C'est pas comme quand on croise une nouvelle créature et qu'on a un codex automatiquement sur lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je lis. Une missive trimestrielle de petites vertus bien usées. La douairière lubrique accueille les couleurs de l'automne avec rêve de désir, les confessions d'un apprenti qui semble plus expert en fornication qu'en confrontation, le batifolage interdit dans toute sa splendeur. La douairière lubrique, exposition pour les curieux aux pensées nobles mais aux actes vifs. La vie de la dame, fascinant. Vivent les cercles dont les huit clos stimulent l'imagination. 3 foulards frémissants sur 5. DL. C'est dégueulasse. Alors, c'est un livre de cul et on n'arrive pas à en savoir grand chose. Ok. Salut.
crois que Dame Cassandra voulait vous parler. Ouais, bah, je vais lui parler. Je prends tout ça. Ah, une petite note. Jour 2, pouls normal, respiration stable, toujours pas de réaction, dose minime d'extrait d'Elphidé pour favoriser son rétablissement. Beaucoup d'agitation, charabia sur des yeux trop nombreux, quelque chose sur les ombres. Encourageant ? J'ai dit des choses bizarres dans mon sommeil. Bah, probablement une espèce de somnambulisme après tout. C'est pas comme si Andraste était vraiment derrière moi. Bonjour. Je ne prends pas de commande pour le moment. Si ça vous pose un problème, parlez-en à Cassandra. J'en ai rien à foutre, je veux rien de commander. Tu vas me parler meilleur. Tartan. Alors normalement si j'appuie sur F... Ouais voilà, donc c'est avec le petit patch. Normalement maintenant que vous appuyez sur F, vous pouvez tout prendre directement. Plutôt que de vous faire chier à cliquer sur tout prendre à chaque fois. Voilà. Sachez-le. Observation d'un patient. Moins d'agitation, réaction à certains stimuli, et ses signes vitaux semblent stables. Deux personnes du coin ont tenté de s'introduire dans la chanterie pour tuer mon patient. Quoi? On a tenté de m'assassiner? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tous ces efforts pour lui sauver la vie et l'exécuterait juste comme ça? J'informerai Dame Cassandra que son réveil est prévu d'ici demain matin. Ok, alors, ceux qui ont tenté de m'assassiner, franchement, je crois que je vais les retrouver et je vais les étrangler doucement. Tout doucement. Puis quand je vois qu'ils sont sur le point de s'évanouir, je vais arrêter de les étrangler. Puis je vais recommencer, puis je vais arrêter, puis je vais recommencer. Jusqu'à ce que bah, leur corps lâche. Exactement. Chancelier Roderick, c'est un enculé, on a bien pu le voir. Donc là, on a un truc, mais je vais pas le lire parce que je l'ai déjà lu. Ben non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, c'était dans un épisode après que j'avais pas publié. Doit être conduit à Val-Royau immédiatement et jugé par la nouvelle divine. Je ne crois pas qu'il soit coupable. Le Kunari a échoué, chercheuse. La brèche est toujours là. Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'il voulait. Je n'y crois pas. Ce n'est pas à vous d'en décider. Votre devoir est de servir la chanterie. Mon devoir, comme le vôtre, cher chancelier, est de servir les principes sur lesquels la chanterie a été fondée. Ça parle mal sur moi, hein. J'aime pas ça, hein. Allons voir. Enchaînez-le! Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale! N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Donc je suis toujours un suspect, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Il y a à peine 5 minutes, vous vouliez ma mort, et maintenant je suis votre bienfaiteur. J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche, nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre, avec ou sans votre approbation.
Telles sont les instructions de la Divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Ouais, alors désolé pour le petit bug avec Roderick du coup, mais ouais, j'avais déjà eu dans les tests un petit bug dans cette cinématique aussi, donc c'est assez... Les bugs se produisent en fait souvent au même moment, hein. C'est souvent dans les mêmes scènes et tout. Normalement, il n'y en aura pas beaucoup, contrairement à la dernière fois où il y en avait vraiment énormément, en espérant que ça s'amplifie pas au fur et à mesure. Par exemple, si je joue trop longtemps, peut-être que ça peut s'amplifier, j'en sais rien. Je sais pas trop comment... comment la stabilité du jeu fonctionne vraiment. Qu'est-ce que vous appelez la première Inquisition, exactement ? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leurs forces pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leur bannière et formé l'ordre des Templiers. Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer. On a besoin de gens prêts à agir, à s'unir de nouveau sous le même étendard. Mais vous faites toujours partie de la chanterie, non ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine, puis elle attendra ses nouvelles directives. On ne peut pas se permettre d'attendre. Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave. Non, nous sommes seuls. Peut-être jusqu'à la fin des temps. Oui, pourquoi j'accepterais ? Pourquoi j'accepterais de rester avec vous ? Je sais pas que ça a à foutre, quoi. Et si je refuse ? Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Mais sachez que si certains vous considèrent comme l'élu, beaucoup d'autres vous jugent encore coupable. L'Inquisition ne pourra vous protéger que si vous restez avec nous. Et puis on peut aussi vous aider. Si vous restez, le chemin sera difficile, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concerné. En gros, j'ai pas vraiment le choix. Vous voulez déclencher une guerre sainte. On est déjà en guerre. Et vous êtes déjà impliqué. Vous portez sa marque. Quant à savoir si cette guerre est sainte, ça dépendra de nos découvertes. Ouais, donc j'ai vraiment pas le choix, quoi. Je suis trop impliqué dans le truc. C'est la faute à pas de chance. Bon, je veux bien essayer. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Alors dans la poignée de main, j'espère que j'ai bien broyé la main de Cassandra au passage. Une poignée de main de Kunari, ça doit pas être très agréable, surtout d'un mec comme Tashodan. Thank you.
Oh yeah, Dragon Age Inquisition. Parfait. L'Inquisition a été réformée.